Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo installation de mes reptiles. Donc voilà. Donc je les ai changés de place. Avant ils étaient là-bas dans le coin. Dans ce coin-ci. Donc voilà, ma chambre, elle a un peu changé. Donc je vais vous faire l'installation tout de suite. Donc d'abord ici, niveau insectes, on a le bac à grillons. Voilà. Les vertes farines. Donc je parle pas très fort parce qu'il y a ma soeur qui dort dans la chambre à côté. Pourquoi pas la réveiller, ce sera rien. Donc ici on a le minuteur, la minuterie. Puis là on a un multiprise. Et sur ce multiprise, un autre multiprise est branché. Et sur la prise d'à côté, il y a le truc du filtre. Donc voilà. Bac à verre de farine. Bac à grillon. Terrarium Pogonaviticeps. Il vit dans un terrarium de 1m20 sur 60 sur 60. Terrarium en OSB. Que j'ai acheté en ligne. Donc voilà. Au niveau électrique, on a une lampe 100 watts. Sur une douille en céramique. Même chose pour l'UV. Douille en céramique. Donc moi, j'ai opté pour les lampes économiques et non pas pour les UV. Donc voilà. Il y a moins d'installation à faire. Donc voilà, en substrat on a du copeau de bois, bac d'eau, cachette point chaud, donc là-bas c'est celle de point froid, bac d'eau point froid bien sûr. Donc le point chaud, il y a plusieurs branches, une branche là et une branche là-bas, thermomètre, plusieurs petites décorations, liane, rocher, branche. Ici aussi encore une petite cachette où il y va. Juste là. Il va très souvent là. Mais la journée il reste là ou sur sa branche ici. Donc voilà. Au point chaud on a environ 45-50 degrés. À sa zone chaude on a environ 35. Et à sa zone froide 28, entre 28 et 30 degrés. Donc ça c'est bien. Voilà. Ça va fermer le terrarium. Donc voilà. Donc maintenant ici donc j'ai l'aquaterrarium de ma tortue d'eau Pelomedusa sibuifa. Et je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà. Donc elle vit dans un aquaterrarium donc fauna box de 51 sur 28 sur 18 de hauteur. Donc elle est juste là. Voilà. Niveau électrique, on a un filtre qui fait une petite vague comme ça. Voilà. Puis on a une lampe chauffante, une lampe UVB donc, qui est juste au-dessus de la pompe, elle a glissé. Je vais plutôt la mettre ici. Non, au milieu, carrément. Donc voilà. Donc dans son terrarium, elle a son point sec à 30 degrés. Voilà. Ici, elle a encore une pierre où elle vient. C'est un petit point sec, mais il y a encore un petit centimètre d'eau. Voilà. Elle aussi, la lampuvée sur douille céramique. Voilà. Donc thermomètre ici pour vérifier la température de l'eau. Donc là l'eau elle est à 25. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est à 27 degrés. Donc elle est dans le vert. Donc les bonnes températures. Voilà. Donc on a un substrat en gros galet. Donc des cachettes feuillage où elle va très souvent. Là. Là. Et là-bas. Donc elle a une petite cachette aussi ici, en dessous du rocher. Elle y va pas très souvent, elle y va quasiment jamais. Donc on va essayer de vous la faire montrer. Donc elle est partie se cacher. On va pas la déranger. Ah bah elle est juste là en dessous. Donc voilà. Au niveau des installations. Donc voilà. Donc pour les petites bulles, hein, on m'avait conseillé un bulleur, mais. Ça va rien, ça fait beaucoup de bulles ici. Voilà.
Donc voilà mes installations. Donc pour la caméra, tout simplement, j'utilise mon téléphone, encore, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai pas vraiment un angle de vue très beau. Je n'ai pas vraiment la caméra qui est très belle. L'image n'est pas très belle. Mais voilà, du moment que vous m'entendez, je compte acheter peut-être une caméra, une petite caméra. Donc voilà. Et donc si je vois que je ne monte pas dans les abonnés, je vais continuer mes vidéos parce que j'adore partager ma passion, tout simplement. Et pour moi-même, je fais des vidéos. Voilà, donc l'installation électrique, les grimes, les vertes farines, la tortue Pelomedisa subrufa et le Pogona viticeps mâle de 8 mois. Et là, c'est la femelle Pelomedisa subrufa de 5 mois. Qui est là? La petite, donc elle s'appelle Saval. Et elle, Igor. Donc pour ma tortue, j'hésite entre Tequila, parce que mon premier gecko s'appelait Tequila. Et mon premier Pogona s'appelait Saval, que j'ai revendu. Simplement parce que je n'avais plus de place dans ma chambre. Que je n'ai pas vraiment une chambre très très grande, donc ici on a le coin terrarium élevage, donc voilà. Puis là-bas on a le coin PlayStation où je vais avoir ma nouvelle télé. Donc j'ai pas encore mais j'ai changé ma PlayStation de pièce, elle est dans la chambre de mon frère. Donc lundi normalement je reçois ma télé. Voilà, donc là bon c'était le coin, mais là ça va être vide et je vais sûrement mettre un rack. Tout ce qui est j'ai collé au port. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes projets. Donc mon projet, maintenant je vais avoir mon anniversaire avec cet argent. Donc ma maman, elle veut m'acheter un rack. C'est elle qui me l'achète. Donc pour un câble chauffant, une installation avec un câble chauffant, c'est 50 euros. Ça va, donc voilà, j'ai collé au port. J'ai un mâle, une femelle. On se lance dans la reproduction et voilà. Ça c'est toute ma chambre, mon grenier que je voulais aménager pour faire une pièce d'élevage, mais il n'y a pas de chauffage. L'hiver il fait la même, il fait froid comme dehors. Il fait, si admettons dehors il fait 0 degré, il va peut-être faire 3-4 degrés dans le grenier. Donc ça c'est inacceptable parce que après la nuit il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Donc ciao les gens et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine demain normalement. Donc ciao et n'oubliez pas de vous abonner.